Je suis Clotaire Mukanisika. Je suis conservateur adjoint du parc national de Luango. Le Gabon a mis en place depuis 2002 un réseau de parcs nationaux. Il y en a 13. Le parc national de Luango a la particularité d'avoir des zones qui changent en fonction des saisons. L'étendue que vous voyez là est recouverte d'eau pendant la saison de pluie. Et donc pendant la saison sèche, les eaux diminuent et ça laisse cette étendue qui fait pousser de l'herbe. Donc ça transforme comme si c'était des bails. Et tous les animaux, on les retrouve ici. Derrière cette forêt, il y a aussi d'autres grandes savanes comme ça, plus d'autres forêts. Donc c'est cette alternance qu'on appelle mosaïque forêt-savane à Luango. Juste à 1 km à ma gauche se trouve la plage, donc l'océan Atlantique. À ce moment, à cette période de l'année, nous avons des baleines qui reviennent très loin d'Afrique du Sud et qui migrent pour aller vers le nord, donc les eaux chaudes de l'équateur. Nous avons sur cette même plage les éléphants qui viennent manger des feuilles sur la plage et qui vont également aussi à l'intérieur des eaux de l'océan Atlantique pour prendre un bain chaud. Bienvenue dans le réseau des 13 parcs nationaux du Gabon. Je m'appelle Makangilit Cabrol et là j'ai mon collègue Ogendo Brice. Nous sommes des éco-gardes. Et là nous entreprenons souvent des missions de lutte anti-braconnage, des collectes de données, des missions de sensibilisation et en un mot nous sommes un peu la police du parc. Avec un réseau hydraulique, mais aussi des arbres, mais aussi des animaux, aussi bien des mammifères comme des oiseaux, des reptiles. Donc le Gabon a mis cette biodiversité à la disposition de l'humanité. Et c'est donc tous ces éléments qui font la particularité de Luango et qui font que Luango soit le paradis sur Terre.
Ça y est.